Bonjour à tous, amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors, ce week-end, on a été dîner chez les copains, donc on a apporté les bouteilles. La première, on va passer vite, c'était pourtant un joli vin sur le papier, un Chiden Les Argiles, donc ex-Vouvray 2018. Vin qui a évolué vite, poire-pomme, mais surtout après, ça prend le côté pomme compotée. Le côté un peu miel, fleur d'oranger, mais très miel, un peu kirché aussi, sur un fond, entre kirché, cire d'abeille, voilà. Une bouche surtout assez souple, tendre, un peu ronde, un peu grassouille, voilà. Alors, je sais pas si c'est la bouteille ou... mais bon, c'est pas les chenins que je préfère. Il était déjà, je trouve, très évolué pour un chenin de 2018. Par contre, j'ai apporté une autre bouteille et celle-là était magnifique. Évidemment, je ne les ai pas rapportées. C'était un Châteauneuf du Pape Beaucastel 2013. Et là, une toute autre histoire. Alors, mon camarade m'avait dit qu'il ferait un osso buco au pruneau. Donc, l'accord déjà a été top. Et le vin était magnifique avec son très joli nez. Fruits rouges, fraises, cerises, ensuite un petit côté un peu prune aussi, évidemment, qui se mariait très bien, mais pas pruneau, justement, prune. Ensuite, les belles notes de garrigue, d'herbes séchées, de garrigue, quoi, vraiment, presque thym laurier, très jolie, fraîche. Ensuite, des notes d'épices réglisse, assez classique, tradie. Puis le fond qui commence à être évolué, alors au départ assez cacao, mais après on a qui arrive le tabac, le côté fumé, mais aussi un très léger début de cuir, bref, très jolie complexité au nez. Puis ensuite en bouche, 2013, évidemment, c'est les millésimes, moi, qui me vont bien à côté de Châteauneuf-du-Pape, c'est droit. Quand on s'appelle Beaucastel, en plus on sait faire du vin, quoi. Donc c'est droit, il y a de la profondeur. Pour autant, les tanins sont soyeux. C'est suffisamment dense, ça enrobe ça très bien. C'est tonique, c'est très élégant, avec une finale fraîche mais pleine, tonique et une jolie persistance. Moi, il n'y a pas photo. Comme dirait l'autre, moi, Team Beaucastel à fond, quoi. Voilà, très joli vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors, on a ouvert ça. Et à nouveau, 2021, Moret-Saint-Denis, donc de chez Amiot-Cervelle, le Moret-Saint-Denis village, voilà. 2021, effectivement, en ce moment, on lit beaucoup de choses. Mais il y a quand même de jolies choses. La preuve avec ce Moret-Saint-Denis, très joli vin, avec un joli nez, au départ framboise groseille, les notes évidemment assez végétales, c'est sûr, hein, mais classe, ronce, rafle, mais joli, la pointe épice réglissée, le fond léger, le léger mocha caro, ce que j'appelle un peu une petite légère trace d'élevage. Alors, oui, d'ailleurs, à l'ouverture, une réduction assez poussée, et c'est pas que c'est pas la première fois, c'est que c'est quasiment systématique que sur ces 2021, sur la plupart des domaines, voire tous les domaines où j'achète, et voilà, j'achète quand même dans quelques domaines en Bourgogne, et ben j'ai cette réduction, comme si c'était un peu... je la retrouve beaucoup, beaucoup en 2021. Cette réduction un peu chou, hein, un peu chou, alors chou œuf de temps en temps, chou fumé, chou grillé de l'autre, mais voilà, elle se dissipe très vite d'ailleurs. Ensuite, en bouche, ici, c'est surtout la bouche. Jolie bouche, corpulente, entre charnue et corpulente, mais plutôt corpulente, et surtout joli tanin soyeux. On sent pas du tout la rigidité, la raideur, ni pas non plus dans la finale, qui est certes fraîche, tonique, mais on n'a pas ce côté rigide, raide qu'on peut avoir dans certains 2021, et une jolie persistance, framboise groseille, les notes ronces rafles, la pointe épice réglissée, le fond léger, léger caroube, là, léger mocha, noyau, voilà. C'est très joli, un très joli village. Pas sûr que je mette 2021, moi, en aveugle là-dessus. Millésime classique, d'équilibre, on sent pas trop les défauts du millésime sur ce Moret-Saint-Denis 2021, un bien joli vin.
qu'on se le dise. Ensuite, on a ouvert ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. Donc, cuvée Galetti. Alors, c'est Galetti, la cuvée spéciale, la cuvée normale 2018, Coteaux du Vivarais. Bon, d'ailleurs, regardez, la bouteille est encore aux trois quarts pleine. Bon, un nez de cerise. Allez, un peu d'épices, assez terne, pas très expressif. Cerise, fraise, un peu d'épices. Un fond noyau, bon, et puis il faut aller le chercher, quoi. Alors ensuite, la bouche, c'est bien fait. La bouche est bien faite, c'est droit. Les tanins sont ronds, voilà, il y a presque une jolie fraîcheur. Finale, tonique fraîche, c'est droit. Mais alors, c'est terne et surtout, c'est simple, quoi. Voilà, ça, pas beaucoup d'expression et de complexité. Alors, face de la bouteille, peut-être, mais bon, autant sa cuvée, la Cyrare, souvent j'aime beaucoup, c'est une très belle cuvée, alors évidemment elle vaut son prix. Autant là, bon, jeune c'était bien meilleur. Hein, enfin voilà, si vous avez du Galetti, buvez-le dans l'année qui suit, ce sera mon conseil parce que voilà, là je suis assez sceptique, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est pas mon style, ou alors je suis pas du tout sensible à ça, et voilà, pas beaucoup d'expression sur ce vin. Ensuite, ça par contre, ça c'était très 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 bon, comme le Bocastel. Donc, un Riesling de l'ami Michel du domaine Paul Genglinger, c'est Pfirsichsberg en grand cru, et c'est le cru Hortel Vieille Vigne 2021. Donc, j'ai bu jusqu'à maintenant Eichberg, Ertaker, deux autres grands crus. J'ai même bu plusieurs Eichberg, qui est déjà très très beau, le Eichberg. Mais alors, ce Hortel Vieille Vigne, il est très joli. D'ailleurs, regardez, il me reste, ça se boit tout seul. J'ai réussi à sauver un verre. À deux, on lui a mis une claque, comme on dit, sans même s'en rendre compte, bien évidemment. Oh là là, c'est très 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 joli. Alors, on a un nez classique, pomme, mais surtout plutôt agrumes, pamplemousse, enfin fruits blancs, puis ensuite agrumes, pamplemousse. Ensuite, on a des jolies notes de cédrat, très classe, une pointe florale, avec un petit côté très fleur d'oranger, quoi, très élégant, sur un fond, on va dire, cire d'abeille, un peu pétrole, un peu cire d'abeille. Voilà, c'est très élégant, c'est très classe au nez. Ensuite, on a une bouche. Alors, on a une bouche droite qui a pas mal d'amplitude et de volume, justement plus que le Ertaker par exemple, un peu moins que le Eichberg, mais par contre qui est plus puissant, qui a une puissance au fond, droite, tendue, matière précise, cristalline, et cette puissance voilà, qui vous emmène jusque dans la finale, qui emporte un peu tout, mais avec beaucoup d'élégance, parce que justement très tendue, très droite, très précise, c'est vraiment... les gens qui aiment les vins tendus vont adorer, parce qu'en plus il y a une très belle matière qui enrobe ça, justement, il y a suffisamment de densité de matière pour l'enrober, donc c'est pas vif, c'est pas agressif du tout, mais par contre, voilà, ça c'est très droit, très, très, bah oui, ça a ce côté puissant. Et avec toujours ce côté, donc un peu fruit blanc au départ. Ensuite, on est sur l'agrumes, le pamplemousse, mais sans l'amertume trop prononcée. Et c'est ça qui est joli. Les notes cédrat, citron, mais cédrat plutôt. Ensuite, la pointe fleur d'oranger qui apporte un peu de légèreté, d'aérien, voilà, d'élégance, et ce fond cire d'abeille léger, un peu pétrole, un peu cire d'abeille, voilà, mais juste sur le fond, voilà, qu'apporte de la complexité. Ouais, c'est un très très joli vin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je peux que vous encourager, évidemment, et je vous souhaite de boire voilà, ce genre de vin. Parce que c'est un très joli. D'ailleurs, regardez, voilà pourquoi la bouteille est quasiment vide, c'est que ça a un goût de reviens-y qui est absolument redoutable. Et d'ailleurs, j'y reviens. Oh, c'est bon. Ensuite, un autre joli vin.
À nouveau 2021. Donc là, ce week-end, on a bu 4 2021, 3, pardon, 3 2021 là, et 3 jolis 2021, comme quoi selon les régions, évidemment, on a pu faire de jolis vins, avec ce dernier qui est un Cros Hermitage du domaine Ferraton, qu'on va boire ce soir, que je viens de l'ouvrir là. C'est la cuvée La Matinière. Et ma foi, bah c'est vraiment joli. C'est le Cros comme on aime. Un joli nez assez marqué de fruits, même très marqué fruits, cassis. Et puis ce côté ensuite les notes florales type de violette. La petite pointe un peu réglissée sur un fond pas trop marqué par l'élevage, même assez faiblement marqué par l'élevage. Un petit côté moka quand même, noyau moka. Mais voilà, mais c'est très fruit, cassis, très violette, poivre, des notes de poivre aussi, pardon, pas les notes d'épices, c'est plutôt poivré. Voilà, jolie bouche, droite, un peu de tension, mais bien enrobée par la matière, qui est soyeuse, jolie finale fraîche, tonique, jolie persistance. Ouais, voilà, c'est un joli vin que ce Ferraton 2021. Comme quoi, voilà, entre le Moret-Saint-Denis et le Cros, alors en Bourgogne, comme c'est très critiqué 2021, bah, c'est toujours agréable de boire un joli 2021 bourguignon. Évidemment, dans les vins du Sud, il y a plein de gens qui aiment bien, à commencer par moi, sur ces millésimes un petit peu plus, un peu moins chaud, mûr, en tout cas un peu, voilà, un peu plus classique. Moi, j'aime beaucoup évidemment les vins du Sud. Voilà pour ce week-end. Bon, allez, sur ce, j'espère que vous avez vous aussi bu de jolies choses et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!